Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver dans ce direct. C'est un match comptant pour les éliminatoires de la CAN U23 prévu au Maroc l'année prochaine. Et le Bénin qui affronte cet après-midi le Soudan ici au stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. C'est un duel très important pour les Béninois qui ont été battus à l'aller il y a quelques jours seulement du côté de Khartoum par cette équipe du Soudan. 2-0, les buteurs à l'aller, donc à Khartoum, Al-Ghazouli Hussein Noah et Ali Abdullah Amadel Neil, les buteurs donc pour le Soudan. On va passer donc aux hymnes nationaux avant le lancement de cette partie. Et donc le Bénin qui est prêt pour affronter cette équipe du Soudan. On est dans un match des U23. On va donc suivre cette explication avec les arbitres qui ont fait le déplacement de Cotonou pour ce duel entre le Bénin et le Soudan des Mauritaniens. Abdelaziz Bou, assisté de Amdine Diba et de Bouna Ndiaye. Le quatrième officiel, c'est Moussa Diou. Le commissaire au match, c'est évidemment Mahamadou Ilou. Et c'est parti, cette explication. Le match est lancé par Abdelaziz Bou. Le Mauritanien, les Mauritaniens qui balancent le long ballon sur la poitrine finalement d'un joueur béninois et ce ballon est finalement sorti. Ça sera une touche pour les Soudanais sur ce côté. On va suivre ces touches effectuées rapidement par cette équipe du Soudan. Avec le ballon qui est toujours dans les pieds des joueurs soudanais. L'appel dans la profondeur qui est effectué par Hassan Mustapha Nagui. Et le ballon dans les pieds de Hassan Mustapha Nagui qui va tenter de passer, mais il le perd très rapidement. Et ça repart du côté des Béninois avec la contre-attaque amorcée très rapidement. Et ce ballon qui n'est pas cadré. Et ce ballon dans les pieds de Pamphile Wensavi. Mohamed Abdou qui, va le perdre. Hein, ce ballon dans le duel. Mohamed Abdou qui va prendre son carton, évidemment. Il a perdu ce ballon. Grosse faute par la suite de Mohamed Abdou, le milieu défensif de l'AS Cotonou. Robin Vidécon, Mohamed Abdou. Qui cherche la passe et qui va retrouver donc Augustin Rouzan, mais ce ballon est bien géré par les Soudanais. Mariano Rangwa qui cherche la profondeur et le ballon qui est finalement bloqué par Mohamed Madani plutôt. Le gardien soudanais est bien sorti. Vous voyez cette parade de Mohamed Madani devant Gael Dassi. Et ça joue avec Bachirou Atibi Doji. Augustin Rouzan qui combine avec Bachirou Atibi Doji. Mais il y a faute sur le latéral gauche béninois, Bachirou Atibi Doji. Et l'ouverture du score, c'est allé très vite. Et ce ballon qui est parti très vite. C'est vrai que la réalisation a été surprise aussi. La réalisation a été surprise par cette action. Et ce ballon de Mohamed Abdou qui a vite frappé. Hein. Et donc il a surpris tout son monde. Et les Béninois vont repartir avec Augustin Rouzan sur ce côté. Augustin Rouzan qui va trouver Bachirou Atibi Doji. Et peut-être l'occasion. Et le deuxième but inscrit par ces Béninois. Et ça fait 2-0 pour les écureuils U23. Et ce centre de Bachirou Atibi Doji. But inscrit.
par cette équipe du Bénin. On revoit ce centre de Bachir Ouattivi Dodi et Gaël Dassi qui a placé ce ballon. Et ça fait 2-0. Et donc c'est la fin de cette première période ici au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Le Bénin mène 2-0. Le retard est fait. Il faut maintenant réussir à mettre un troisième but dans cette deuxième période qu'on suivra tout à l'heure. Merci à tous. On se retrouve donc dans une dizaine de minutes. On est déjà de retour pour cette deuxième période ici au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Et le Bénin qui mène 2-0, on l'a dit. Hein. Et cette deuxième période sera lancée dans un instant par le Mauritanien Abdelaziz Bou. Et c'est parti. Voilà Tundji Tessilimi qui cherche Mohamed Abdou. Et ce ballon renvoyé par les Soudanais. Il y a eu quelques remplacements de côté du Soudan. On va donner la précision en tout à l'heure. Mariano Arangbo qui cherche Olatunji Tessilimi, mais cette passe manquée de la part du défenseur soudanais. Bachir Ouattivi Dodi. Et ce ballon de Bachir Ouattivi Dodi. Le centre Augustin Rouzan qui s'est manqué. Augustin Rouzan qui s'est manqué. L'attaquant de Dynamo d'Abomey sur ce centre de Bachir Ouattivi Dodi. La défense soudanaise qui n'a pas pu. Et ce ballon, et quelle erreur de Tawfik Bouraï Moussa qui au lieu de sortir ce ballon, a tenté une passe difficile hein, vers son piston droit. Ça va jouer avec ses Soudanais. Et ce ballon, la tentative, ouais, ça passe largement au-dessus des buts gardés par Karim Abdulaziz Rahman. Augustin Ouzan qui va trouver Pamphile Ouinsavi. Augustin Ouzan et le ballon est passé finalement à Bachir Ouattivi Dodi. Le centre n'est pas parfait. Et ça revient avec ce centre de Mariano Arangbo, renvoyé par la défense du Soudan. Les Soudanais qui vont sortir sur Augustin Ouzan. Mohamed Madani qui envoie ce long ballon et ça va revenir avec Orfe Assouramou. Le ballon est perdu, récupéré par Ibrahim Osman. Ibrahim Osman qui ce ballon qui est perdu est peut-être l'occasion pour les écureuils du Bénin. Et ce ballon finalement, et ce troisième but inscrit par les écureuils U23 sur ce ballon perdu par les Soudanais. Et ce coup franc, ça va partir. Hein. Il y a également sur ce ballon Adam Mohamed Ibrahim et Al Ghazali Hussein. Ça va partir. Et c'est contré par le mur. On va suivre ce corner et ce ballon dans le paquet. Et la belle sortie de Abdulaziz Rahman avec Ibrahim Osman qui va le shooter ce corner et qui va mettre le ballon dans le paquet. Ibrahim Osman, le ballon est mis dans le paquet. Il y a but! Ça fait 3-1 pour ces Soudanais qui réussissent à marquer. La douche froide. Hein. Et le calme dans ce stade. Et ce but inscrit par le Soudan.
qui ont réussi à revenir sur ce corner. On revoit ces images. On revoit ces images. Et c'est un but contre son camp, hein, il me semble. Bien sûr, un but contre son camp de Pamphile Nwensavi. Karim Abdulaziz Rahman qui va retrouver son compère Moussa Majidou. Et la combinaison sur ce côté, ça va passer peut-être. Il y a pénalty, mais non, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Soumaïla Hongpe s'est laissé tomber. L'arbitre de la partie, Abdelaziz Bou, lui a dit de se relever, qu'il n'y a rien du tout. On revoit cette action. Ben, il n'y a rien. Bon, il n'y a rien. Le ballon était perdu. Mohamed Abdou, et c'est la fin. Et c'est la fin. Le Soudan qui se qualifie malgré les trois buts marqués par les Béninois. Douche froide hein, pour le Bénin. Le Soudan qui se qualifie pour le prochain tour. C'est difficile. Hein. Difficile quand vous marquez trois buts et vous sortez. Les larmes de Abdulaziz Karim Rahman. Difficile, hein? Difficile pour les Béninois qui sortent après un match bien géré quand même. Mais il y a ce but soudanais qui tue. Le but qui tue. C'est ça aussi le foot. Hein? C'est ça le foot. Merci à vous Elvis Fassou. Ben le Bénin gagne 3 buts à 1 cette équipe du Soudan. Mais sort à cette étape. Le Soudan se qualifie évidemment pour la suite de ces éliminatoires de la CAN Maroc U23. Merci à tous. Ben on retient que le Bénin a été sorti donc par le Soudan. Ben la soirée sera difficile pour les Béninois, les écureuils U23. Merci. À très vite pour un autre match sur nos antennes.